compositeur de Starbound, qui a été mis à jour récemment. Excusez-moi, je parle avec la main devant le nez. Et nous sommes en compagnie de Monsieur Le Sad Panda. J'ai failli oublier de te présenter. Bonjour. Donc, on va prendre une ilote parce que j'aime bien ces traces. Du coup, on avait fait des persos, ça a bugué, on va voir si ça fonctionne mieux maintenant. Du coup, on refait des persos de zéro. Voilà. On est content. Du coup, on connaît un peu le jeu, ça ira un peu plus vite que ce qu'on avait fait au départ. Ce qui est pas plus mal parce qu'on n'avait pas fait la première quête au sixième épisode, donc... On va pouvoir un peu rusher. Donc je vais lui mettre la petite coupe de vache qui va bien. Elle est où sa coupe de cheveux, elle? Voilà, c'est celle-là. Ensuite, couleur... On va rester sur une espèce de rose bizarre. Voilà, un petit peu plus foncé. On ferait quoi? On skip la mission d'intro ou on l'a fait? Non, on l'a fait pour le... On l'a fait? Oui, on l'a fait pour... Ok, moi je suis prêt, donc je vais aller faire la mission d'intro. Obito! T'as pas besoin de me voir, de toute façon, donc. Tu avais la clé 1-3-5 de valider, c'est pas possible, normalement, nous dit Magritor. Oui. On y va, c'est parti. Une histoire affreuse, pardon. Fais comme si je te mettais le doigt sur la bouche. Alors, c'est E pour activer les objets. Blablabla. Ouvrir une porte. Récupérer. Ça, j'en veux pas par contre. Mon uniforme. Je vais me faire. Comment on dit Tu vas pas te faire graduate, mais comment tu dis en français Je vais me faire diplômé. C'est parti. Tu vas te faire grader. Ouais, je vais me faire grader. Yellow Croc qui dit qu'il était deg d'avoir raté le premier live, bah du coup voilà, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Il nous a porté malheur. Ouais, hop, une petite fleur. Je la prends la petite fleur parce qu'elle donne des sous en plus après. Tu la vends. Je vais me faire diplômer, exactement, Maltunes. Mes chers amis protecteurs, aujourd'hui nous allons nous occuper de diplômer un nouveau venu. Bla 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 bla. Depuis 500 ans, nous sommes fiers de tenir tête aux aliens. Non, je ne sais pas ce qu'elle raconte, mais c'est un truc du genre. Je suis désolée, je lis pas parce que ça va trop vite et en même temps c'est trop long. Enfin, entre les deux. Aujourd'hui, au nom de la paix, nous accueillons un nouveau compatriote. Enfin, nous accueillons nos nouveaux compatriotes. Et nous leur présentons ce qui est notre meilleur outil, le manipulateur de matière. Je reçois mon manipulateur de matière et je l'équipe. Avec R. Et c'est parti, mon kiki. On peut courir. On peut courir ou c'est juste avancer, quoi? Ouais, c'est juste avancer. Il n'y a pas de dash pour l'instant. Non. Cours, 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 cours. Je découvre le jeu, lol. Saute, saute. Les cadavres. Oh mon dieu. Tout le monde est mort sauf moi. Et Panda sur sa partie. Et vous tous. Qui jouait aussi. Je montrais, faites-moi penser après monter un petit peu la voix de Panda parce que sur les records qu'on avait fait avant, on l'entendait pas bien, le garçon.
Ah oui, la superbe épée cassée. Ouais, c'est bon, elle est déjà en raccourci. Hop, on enfile. Titre. Pas censé être en train de faire ton... Ok, des soins, et allons-y. Et on se sauve de la planète. Et nous sommes le dernier survivant sur un vaisseau en friche avec un crabe bleu. On ne sait pas comment il s'est retrouvé là. Rebootons le vaisseau. Le vaisseau est rebooté. On récupère la bouffe. Panda, je t'invite à récupérer ta bouffe, puis à save and quit et me rejoindre. Save and quit? Ben oui. Tu récupères ta bouffe dans ton... Enfin, tu fais ce que tu veux, mais tu viens, quoi. Je sais pas, non? Tu veux jouer voilà, tout seul? Je save pas et je quitte pas. Pourquoi? Et pourquoi tu veux que je save and quit? Parce que pour me rejoindre, il faut que tu save and quit. Pour pouvoir me rejoindre via Steam. Tout ça. Ouais, mais j'ai pas besoin de save and quit. Bah... Ça me perturbe. Ah bon? Bah, moi je sais pas, j'ai toujours fait comme ça, donc Attends, parce que là je suis en train de voir mon vaisseau. Là ça marche pas, ça marche pas. Et donc là, je te save and quit. Alors, si vous voulez bien vous manier le train. C'est quoi le nom de ton perso? Fry. Fry, d'accord. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Attends, je me suis trompé. Voilà, tu m'as invité à jouer au lieu de... J'ai pas cliqué au bon endroit, ça. Allez, panda, sors-toi les doigts, les cul. Ouais, je suis là. Voilà. Ok, t'as fait un perso humain! Oui. Mince, je t'entendrai plus faire des bruits de bender quand tu te fais éclater la tronche. Bon, eh bien, on va beam down. Parce que pour l'instant, mon vaisseau se déplace, donc je peux pas te... Je ne peux guère te rejoindre pour l'instant. Ouh, ça commence bien. Un coffre. Ah, des sous et des torches. Bon, c'est sympathique, les sous et les torches, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut. Alors, organisons notre inventaire dès le départ. Les soins ensemble. D'ailleurs, les soins, moi, je les mets toujours en deux. Tac. La petite torche, oui, pourquoi pas, on va... Attends, tiens, papito, j'arrive. Oh, mon Dieu. Coucou. Les torches, coucou. On a un peu de bouffe, et c'est très bien, et surtout, le plus important, l'épée. Salut! Ah, tu m'as mis ta torche dans la gueule, ça se fait pas. C'est pas RP. Regarde, ah tu merde, fry. Je suis con, on peut pas sauter. Wouh. J'avoue qu'il y a une ressemblance. Wouh. Ok. Et toi, t'as looté le coffre dans ta... Ah oui, c'est vrai qu'on peut pas faire comme on fait avec nos gros persos. Tout, non, on a jamais joué au jeu. Ah, on a jamais joué, c'était quoi? Ah. C'est No Man's Sky Pas du tout. Ah, moi le maïs. Ah, je prends tellement cher. Récupère la souche. Ouais, vas-y. Tu peux pas tomber du bois un peu? Si, si, t'inquiète, il y avait une carotte. J'étais chaud patate pour la carotte. Ah, ok. Chaud patate, carotte. Oh, c'est long. Ouais. Alors, allons-y, récupérons du bois, récupérons du bois. On va faire un feu de camp. Je peux en faire une Inventor's Table. Table. Très bon. Ok. Cool, cool, cool. Écoute, on va avancer. On Attends, va... J'ai peur de descendre là. Vas-y, mollo quand même. Moi aussi, j'ai un peu peur. Attends, j'y vais quand YOLO! Aïe. C'est quoi ce rire? Ok, foutre de ma gueule, vas-y. Bah, c'était drôle. Excuse-moi, c'était drôle. Alors, dans ces petites choses-là, il y a des sous, ou des soins, ou des torches, ou des cordes, ou des conneries. Patates, du riz. Très bien, on a déjà trouvé ce qu'on cherchait. C'est-à-dire... Un peu du cherbe. C'est-à-dire... Bon, tu me laisses parler, oui ou merde? Merde. Merci. Trop aimable. Aide-moi, aide-moi. Aide-moi, il est vilain.
On a donc trouvé le téléport qui nous permettra d'aller à l'outpost. Il va falloir qu'on ait écouté le petit message. Ça va, c'était pas loin. Oui, on peut écouter le message s'il vous plaît. Si vous avez intercepté ce message, vous devez trouver l'ancien gateway, l'ancien... Oui, d'accord. Les yeux, tu comme... S'il vous plaît, venez, allez-y pour nous retrouver. Donc il va falloir qu'on trouve de quoi alimenter le TP. Très bien, très bien. Est-ce que tu veux qu'on crée une petite baraque déjà dans le coin? On va se faire... oui, on va se faire tout ce qu'il faut. Un petit campement. Histoire d'avoir, d'avoir une... Bah, très oh, bien. Bah tiens, parfait. Regarde. Il n'y a plus qu'à restaurer. C'est parfait. C'est parfait, c'est exactement ce qu'il nous fallait. On a bien fait de refaire une partie. Mais on n'a jamais joué à ce jeu, de quoi tu parles? Je ne vois pas de quoi tu parles. Il n'y a jamais eu de bug d'enregistrement, il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu de partie qui affichait n'importe quoi. Là. Je me soigne un coup, je coupe un peu du bois. Comme ça, on pourra faire des portes, se mettre à l'abri. Je peux faire des patates au four. On fera des champs. De patates, four. Alors, faisons à bouffer. J'ai un peu de riz, c'est très bien. Je peux en faire qu'un. Oui, j'ai trouvé. Bon, du riz, j'ai trouvé du riz. Attends, je vais faire une Inventor Table si ça te dérange pas. Bah, vas-y, ça nous servira à tous les deux de toute façon. Eh bah, oui, puisqu'on fait une maison commune. Je vais baisser un tout petit poil le son du jeu, j'ai l'impression que c'est un peu fort. Et je vais monter un peu ta voix aussi après. D'accord. Enfin, pas trop non plus, hein. D'accord. Ok, et donc sur le Discord. Hop. Est-ce que tu peux parler, s'il te plaît? Je vais parler, s'il te plaît. Bonjour. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est trop fort? Est-ce que non? Est-ce que oui? Je ne sais pas. Il a dit là. Bon, apparemment, Magri a refait un perso, il a rush pour voir, et il avait tout aussi d'affiché. C'est pas grave. Ah. Alors, il va nous falloir une wooden workbench, un primitive furnace, wooden workbench, il nous faut de la cobble. Eh ben, écoute... Ça te dérange pas, je vais m'activer sur la spinning wheel, je pense. Active-toi sur la... Active-toi sur la table. Je peux faire la foraging table déjà si tu veux. Ah, vas-y, c'est la plus importante pour commencer. C'est parti. Je récupère un peu de cobble, comme ça je vais faire la. Là-bas où Kodemara. Je vais faire donc la wooden workbench, comme ça on aura des portes et les mobs ne rentreront plus dans notre maison. Bah, je vais faire. La spinning wheel. Oh, mais il faut de la corde. Flûte. Faut qu'on aille fouiller des coffres, merde. Trop dommage. Rope. Attends, je vais dire ça là. Parce que ça, j'aime pas, c'est moche. C'est moche et ça m'empêche d'aller tout droit. Voilà, alors. Allez tout droit. Allez tout droit. Allons tout droit. Je viens pas de créer une. Putain, me dis pas que je suis sorti trop rapidement encore. Ah, je fais tout le temps ça. Craft. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? La wooden table, la wooden workbench, je vais dire la wooden table, ça ne veut rien dire. Ça veut dire la table en bois. Prenez des mots sur le stream de Poppy. Hop, on va se faire deux petites portes. Ah, tu peux déjà les faire? Oui. J'ai du bois. C'est incroyable. Incroyable tout ce qu'on peut faire avec du bois. Tu vois, on pourra même récupérer ce bâtiment plus tard pour faire vraiment une grosse baraque. Hop! Quel bâtiment? Là, juste là où je suis, est-ce qu'il y a oui, encore cool. des murs? Donc on pourra. Bah, on peut faire un champ protégé. Attends. On peut faire un studio communicant. On peut faire un studio. Il y a un poulet au-dessus de toi! Mais non, on n'a pas encore. Je suis pas d'armes à distance. Enfin, j'imagine que ce jeu a des armes à distance, je te saurais dire. Lilalilala. Ça va arrêter de faire comme si on connaissait pas le jeu de toute façon. De quoi tu parles? On sait qu'on le connaît. Comment t'as fait pour l'aggro? Je l'ai pas aggro. C'est bon, j'ai tué l'escargot. Je l'ai pas aggro, il voulait juste se poser. Toi! Viens-y! Viens-y! Viens-y avec ton casque à cornes, il y a une autre maison là. Mais c'est génial, on peut faire une ville!
On peut faire une maison immense. Quoi. Reviens, piou piou. Reviens là. Bon, il est trop. C'est trop tôt pour. Oh, ah, regarde comme il nous nargue. Poppy, elle a pas vu qu'il y avait un coffre là, juste sous notre bâtisse. Ah bon, il y a un coffre sous notre bâtisse. Ah là là, on peut rien faire avec le truc de base. Alors. Comment ça, on peut rien faire? Enfin, c'est trop loin et tout. Enfin, c'est galère. Ce qu'il faudrait que je fasse, par exemple là, ça serait peut-être chercher ce qu'il nous faut pour faire une houe. Une houe, il nous faut quoi? Du copper et des strings pour faire une string, des strings. Je te laisse t'occuper de la machin wheel là, ou pas? La machin wheel. Dis-moi, la spinning wheel. La spinning wheel, ouais. La machin. Oui, il me manquait pas grand chose, je crois. Attends, vas-y, je regarde. Je vais essayer de trouver du copper. The spinning wheel. Blablabla. Il me faut une corde, ok. J'adore l'ambiance de ce jeu, c'est juste trop cool. Ce jeu est ultra riche de chez Garnier, quoi. C'est vrai qu'au début, quand on connaît pas, c'est peut-être, ça paraît peut-être un peu trop riche, en fait, mais... C'est trop, oui. C'est un peu, genre, c'est un peu le fouillis au départ, quand tu débarques et que t'as 40 000 objets dans ton inventaire, et que t'as 40 000... J'avoue qu'au début, sans Z, le jeu me paraissait relativement nébuleux. Et puis, ouais. Et puis une fois qu'on s'y met un peu comme il faut, quoi, bah c'est super agréable. Quoi. Et puis le jeu est ultra profond, en fait. C'est profond. Oui, tu veux faire une blague, Poppy? Mais c'est un jeu où il y a des grottes, alors c'est rigolo. Lui, il m'a vu. Écoute, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Tu te calmes. T'inquiète pas, je vais venir te voir. Coucou. Bien. Bien, attaque-moi. Attaque-moi, coca. Dis donc. Poppy a eu le réflexe de sécurité, elle a déjà mis des portes. Oui, j'ai mis des portes. Bon, il n'y a pas de copper sous la maison, mais il y a des fibres de plantes, et ça... Ça te sert à faire des... Putain, en plus, je viens d'en faire à l'instant, quoi. Des cordes. Oui, ça sert surtout à faire du soin. Mais oui, ça sert à faire des cordes. Hop, j'ai fait du string, là. J'ai fait des strings. Tu vas les mettre en vente? Oui. Je vais les appeler les pandaware. Je descends avec toi? Si tu veux. On va essayer de trouver du... Parce que là, t'es en train de faire quoi, là, la primitive furnace? Je cherche du cuivre. Du copper. Cuivre, ok. Pour faire une houe. Donc si tu veux venir m'aider, on sait que ça creuse plus vite quand on est à deux. Cherchons du cuivre. Attention. En plus, il y a de la boue ici, c'est cool, il m'en fallait. C'est bon. On peut descendre en toute tranquillité. Je sais plus pourquoi il m'en fallait, mais je suis sûr qu'il y avait une très bonne raison d'en prendre. Pour le four. Oui. Pour le four. Eh oui, je sais. Bah, je m'attelle au four. Quoi? Ben je fais le four et toi tu t'occupes de faire la houe. Oui, mais je cherche dans des missions chacun, tu vois. Je cherche toujours du cuivre. Du cuivre. Salut, c'est moi Puppy, je cherche du cuivre. Bonjour la bête, tu m'attaques ou pas? Non. Le cuivre. Bon, la bestiole m'a pas attaqué. Parce que c'est une gentille, apparemment. Elle est là, parce qu'on n'a pas essayé de, comme d'habitude, de développer la diplomatie dans le monde avec un coup de poing dans la gueule. Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Je suis sûr que si on fait le jeu sans tirer une fois, ça peut très bien se passer. Non. Je suis persuadé. Tu vois, si tu pars avec une mentalité comme ça. Non, mais comment tu fais les quêtes avec les boss si tu peux pas les attaquer? Tu leur parles. Tu leur parles d'amour? Tu chantes. Pourquoi je rime? Pourquoi tu fais ça quand même? Parce que tu adores avoir des chansons coincées dans la tête pendant 3 jours. C'est pas vrai, je déteste ça, tu le sais. Ok, du charbon, on a trouvé du charbon. Salut les copains! J'ai cru que t'allais dire ouais, du con. Oui, bien sûr. Okay. Là, il y a un petit peu de cuivre, mais je fais attention parce que ça... Ouh, c'est au-dessus d'une mine. Ok, ça commence bien. Moi, j'aime bien quand ça commence comme ça, tu vois. Attends, parce que du coup, je me suis éloigné de toi, c'est-à-dire le truc qu'il ne faut pas faire. Là, c'est bon, j'ai failli tomber. Ouais. Panda, c'est un peu le roi de la cascade. Super mort, hein. Tiens, rassurer tous mes fans. Ils sont nombreux.
Tout est fan, ils sont nombreux, ils sont 43 ce soir sur le live, putain. On sent que c'est la rentrée demain. Hop. Et je fais un petit pont en bouse. Alors. Pour essayer de rejoindre Poppy que j'ai perdu. T'inquiète, je suis jamais très loin. Je récupère du charbon. J'ai vu qu'il y avait un tout petit peu de cuivre là-bas. Il y a du silver au-dessus de ma tête. Ah bah t'es là. Coucou. Bah va en bas plutôt que de venir récupérer mon butin, ça le voit à l'heure. Je récupère pas ton butin, je t'avais creusé. Ah mais je sais que tu le fais. Tu le fais toujours et après fais « Oh, j'ai pas fait exprès !» Voilà, ça c'est la mauvaise foi, Poppy. C'est la spécialité de Panda, ça. Sachez-le, si un jour vous jouez avec lui... c'est un fourbe. Un fourbe voleur de loot. C'est pas vrai, ça c'est mon perso robot. Je fais pas ça avec Fry. Oui bah on sait pas, il vient juste de naître Fry. Fry c'est une bonne âme. J'ai trouvé du cuivre là. J'en suis pas si sûr. J'ai trouvé du cuivre, d'accord. Ok, moi j'ai trouvé du fer. Oh. Très peu, mais du fer. Alors. Là, il y a du cuivre. Il y a aussi un gros pavot qui m'a pas encore vu. Oh, il y a du fer là, mais. Pareil, j'ai un gros pavot qui m'a pas vu. Ce que j'aime bien, c'est vraiment le côté de. Enfin. La fausse 3D là. Tu sais. Avec l'avant-plan et l'arrière-plan. Tiens, meurs. Oui, c'est vrai que c'est bien foutu, ça. Je trouve ça bien encore stylé. Encore plus, dis merci. Oui. Il y a un petit rat qui est coincé en dessous de moi. Tac. On a encore un peu de cuivre en arrière-plan, là. On va remonter, on va faire cuire tout ça. Si t'as fait le four, c'est parfait, du coup. Non, je l'ai pas encore fait, parce qu'il me manquait de la boue, je crois, que j'ai récupéré. Oh, putain de merde. De la boue, on en a plein, là. Putain de merde. Qu'est-ce qui t'arrive? Ben, je me fais victimiser par une chauve-souris, tu sais, ces êtres qui se bougent. Ah, c'est horrible ces bêtes-là, putain, même à haut niveau, c'est chiant quoi. Ouais. Attends, parce que là, du coup, j'ai pris très très cher dans la mouille, j'ai presque plus à manger dans le bidou. Ah, j'ai plus de torches. Je suis sur ta tête, tout va bien. Je refais des torches. Oh putain, mais sérieux! Putain, c'est plus chiant, c'est plus pénible que les moustiques, les chauves-souris d'un jeu. Je suis pas sûr, hein, parce que là, je me suis quand même bien fait piquer 8 fois aujourd'hui. Parce que tu cherches les moustiques en les insultant. Ouais, bien sûr, je traite leur mère et tout. Ouais. Ta mère, elle suce à tous les râteliers. J'ai le droit de le dire, parce que c'est du ta moustique. Ta mère, elle suce du haut négatif. Ta mère, elle est tellement grosse que quand elle boit du sang, elle fait du boudin. Quoi? Ok. Ma blague était pourrie, mais la tienne était... La mienne était géniale. La tienne était pas mal. Non! Non, les chauves-souris! Non! Aïe, 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 aïe! Oh, je vais mourir dans un trou comme une merde. Voilà. Sérieux? Oui, c'est fait. C'est chose faite. Ça commence fort. Première mort! Wouh! Panda? Oui? J'espère que t'étais pas loin. Et que t'étais pas trop descendu. Attends, avant de revenir. Parce que j'avais trouvé un petit filon de cure. Allez, attends, je reviens vers ton corps. Vers mon corps. Putain, ah mais attends, pour remonter, ça va être la fête, là. Il faut des blocs. T'aurais pas dû. Bah, un petit non. Peu loin, là. Hop. Comment ça, j'aurais pas dû? J'aurais pas dû mourir? Bah non, regarde, c'est juste... Ah ouais, t'aurais pas dû mourir. C'est juste la balle. C'est juste qu'il faut buter toutes les... Oh putain, mais elles sont bien coincées, quoi. Ouais, ouais, elles m'ont bien coincé dans un trou. Ouais. T'as un panda qui pense toujours qu'à lui. Quoi? Attends. Ah, tu peux monter, là? Mais j'y arrive pas. Ah, c'est bon. Vengeance! Saleté. Putain, y'en a une autre. Ah, fais gaffe, y'en a une autre. Ah, mais elle est vivante encore! Elle est sérieuse! Oh putain! Oh putain! Ah oui, d'accord. Oh putain, moi aussi je vais mourir là. Tu l'es! C'est bon, elles sont mortes. Ah, j'ai fui moi, ça va pas ou quoi? J'allais mourir là. Tu m'aurais laissé seul? Oui. Monstre. Ouais. Oh, t'as trouvé du machin là. Aïe! J'ai trouvé du machin. Ça là. Du fer? C'était du métal, du fer, quoi. Du fer. Du méthane. Du métal. Le méthane, tu sais, le truc qui sort du cul des vaches. Plus des gens aussi. Hein. Oui, enfin, plus des vaches que les gens. Quand même.
elles produisent un petit peu plus. Ah, un peu, si peu. Du coup, mourir pour l'instant c'est pas très grave, mais mourir par la suite ça sera bien plus relou quand même. Oui, oui. On a quoi? On a 11 de cuivre, ça nous fait 5 lingots, et on a 9 de fer, ça nous fait. Attends, moi j'ai 10. Je crois que c'est 2 de cuivre. Ah, t'as 10 de cuivre? Oh bah, hé, oui. Attends, moi je vais juste récupérer ce qu'il y a dans la boue là. Aide-moi à creuser s'il te plaît. Ça ira plus vite. Hop hop hop. Je me tiens loin pour pas te voler ça. Voilà. Hop 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 hop. Bon filon de cuivre. Comme on les aime. La confiture bonne maman, tout ça. Attrape, 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 attrape. Ouh, le petit rat. Ouh. Tu veux? J'ai envie de. Attends, il y a des trucs encore derrière. Du fer. Du fer. Il est où? Qui laisse-le tranquille. Voilà. Oh, oh, ça va. C'est amical. Tu penses qu'on en a assez là? Bon, on va tester. Attention, ah, on a des copains là. Comment qu'on va remonter? Ben, je vais mettre des petits blocs. Du silver là, mais je peux pas l'atteindre pour l'instant. Ah, ah non, ça se fait pas. À chaque fois, tu fais ça. Alors attends. Non, même en touche analogique. Ah non, mais pas. Oui, ok. Qu'est-ce que t'essayes de faire? Je comprends pas. Ça. D'accord. Là, normalement, si je te pose un petit bloc. Plus bas. Hop là. Esquive. Mais. Pardon. Oui? Tu y arrives? Mais non, il veut pas le poser, attends. Voilà. Donc là, normalement, tu peux faire ça et ça. Ouais. Alors, attends, ce qui va se passer, c'est que tu vas sauter en même temps que moi. 3, 2, 1, saut! Non. Merde. 3, 2, 1, saut! Voilà, parfait. Exactement ce qu'on voulait faire. Quel travail d'équipe! Exactement, c'est magnifique! Pseudolès en pleurerait s'il était là. Là. Oh, ils sont toujours si beaux tous les deux! Eh bah oui, eh bah tiens. Ok. Putain, ça valait bien le coup de monter. Attends, je me soigne. Oh bah tiens, j'ai déjà plus de. Oui, bon, eh bah écoute. Derrière toi. C'est bon. Je veux pas t'attaquer, Bulbizarre, excuse-moi. C'est le tout beau routier. Allons-y. Du coup, non, il y a toujours ce bloc de terre qui me fait chier. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est plus par où on est arrivé en fait. Ah, par là. Mais. Mais pourquoi tu sautes? Bah parce que je pensais que t'avais posé ton bloc. Merde. 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 Pose bloc. Oh bah non. D'accord. Allons-y à la barbare. C'est ce qui t'a impressionné. Oups. Bonjour toi. J'ai connu. Je cogne ma tête dans la gadou. D'où la gadou, la gadou. La gadou, la gadou. Je vais te poser le copper. Ouais, pose le copper. Pose le copper. Oui, mais il faut faire le four, tabernacle. Et il me faut un campfire que je vais faire de suite. D'accord. Hop, le campfire est fait. Je fais ça, je fais la primitive furnace. Ok, alors, du coup, oui, je veux bien que tu fasses le four, et puis surtout, je veux bien que tu poses le four. Oui. Allons-y, pour des iron bar, copper bar. Est-ce que tu as de quoi faire une string, du coup? Ou est-ce que tu as une string? Ne bouge pas. Pas là, c'est là. Et, ne bouge pas, j'ai dit. Mais ça va, j'étais au bon endroit. Oh. T'as bougé. Il me faut du timber, donc je vais refaire du bois. Tac. Alors attends, du timber genre main. Non mais c'est bon. Quoi ça? T'es caté. Bah d'accord, je t'en fais pas alors. Non, oh, t'es caté. C'est bon. Ah, on a une... Ouh. Oui. On a également un arrosoir. Oui, on va pouvoir survivre pendant la... Tu rends compte. Fais-moi l'arrosoir. Quoi? Pourquoi?
Tu vas pas tout faire? Et si, je vais m'occuper de mon petit champ pendant ce temps-là. D'accord, bon, je désherbe la maison alors. Fais ça, et puis fais des small stone bricks pour réparer la baraque. Je sais pas comment on fait ça. Avec la wooden workbench. La wooden workbench. Incroyable, mais vrai. On va se faire un petit champ ici. Voilà, à l'abri des méchants. Plus tard, on y mettra un tout petit toit. J'en profite qu'il pleuve. Tu m'as dit quoi de faire comme truc là? Small stone brick. Small stone brick. J'ai pas ça. Hop, oh, on va planter du maïs. Ouais, j'ai pas ça pour l'instant, à mon avis, c'est une upgrade. On va planter de la patate. Et on va planter du riz. Je te propose, tant qu'il nous reste un peu de bouffe, de partir peut-être. À quoi que. Est-ce qu'on peut pas déjà se faire les arcs? Ça. Pourquoi j'ai de la bouffe? Pas sûr. Tiens, j'ai une boîte là. On va la poser tout de suite, ça nous servira. Merde. Sors de là. Ah, c'est trop haut. Oui, le campfire dans un trou, c'est pas la meilleure idée. J'aimerais bien rendre étanche notre petit coin de paradis. Crudy! Attends. Ah, j'ai faim. Oui, il semblerait. Hop, de la terre. Ah, c'est pas la même que l'autre. On va prendre celle-là plutôt. Tac, 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 tac. Voilà. Ça, je peux poser une boîte. Je peux poser le feu de camp sur la boîte. Elle prendra moins cher. Et ce qu'on va faire. Mais, par toi, toi. Ce qu'on va faire. Wooden workbench, bloc. Bon, bah on va faire ça avec de la cobblestone en attendant. On fera ça plus joli plus tard. Allez, fais-moi de la cobblestone. C'est la nuit. Arte, c'est la nuit. Nova, c'est la nuit. Non, je sais plus. Bah nous, on va se laisser là pour ce premier épisode et on vous retrouve la prochaine fois. On ira chercher ce qu'il faut pour activer le portail. Et j'espère qu'on aura fait un peu plus de choses. On va faire un peu plus de choses plus rapidement dans ce let's play. Merci d'avoir regardé et à bientôt. À bientôt.